Bonjour! Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti un peu pour de Pectel. Pour ce matin. Alors attendez, peut-être baisser un peu le son. Voilà. Allez, on y va. Ah, j'espère que je vais pas devoir tout refaire. Par contre, je sais pas par où je vais. Par quoi je vais reprendre. Ah d'accord, on reprend ici. Ok. Allez, c'est parti. Attendez. Hop, on est bon, oui. Alors, ici, il va falloir que. Par contre. D'accord, au niveau. Du loot, c'est pas terrible. Alors, ouais. Voilà. On va dire à Hugo et Lucas de rester là. Ah, coucou Megan, bisous Megan. Horaire un petit peu particulier aujourd'hui, hein, même pour cet après-midi. Alors, des horaires un peu inhabituels, on va dire. Voilà, donc du coup je profite un petit peu ce matin de streamer.
Cet après-midi, je pense que je vais certainement faire un petit live, va pas durer très longtemps. C'est pour ça que je profite ce matin de streamer un peu. J'ai eu des changements dans mes horaires, donc je pense que cet après-midi, je vais à mon avis vers peut-être 14h30, 15h, faire un live jusqu'à 17h, 17h30, parce qu'après je suis obligé de couper. J'aurais pas vraiment le choix. J'espère que tu vas bien, Megan, et bienvenue. Dis-moi si c'est bon au niveau du live. Normalement, ça devrait être bon. J'ai pas mis la cam, hein, parce qu'il fallait que j'installe le fond vert. Ah ouais, c'est vrai. Bon, j'oublie le petit Hugo et le petit Lucas. Allez, viens ici, toi. Allez, dépêche-toi. Ah, je suis trop loin. Ah, d'accord. Ça va aller. Ça faisait peur. Je veux plus avoir peur. Voilà. On va essayer de passer autrement. Merci Florence pour l'host et coucou Florence, j'espère que ça va. Et bienvenue, bisous. Si on n'avait pas dû gérer les dégâts chez les Anglais, on les aurait déjà pris. Là, on a un petit peu de loot là-bas. Et Vitalis. Comment j'avais fait? Parce que là, il y en a deux. C'est sûr. Mais le vieux, crois-moi. Ah, peut-être récupérer le pot de fleurs. Il a le bûcher facile. Dis donc, petit, tu dois vraiment être spécial pour qu'ils te cherchent tous comme ça. C'est pas ma Comment faute. Je pourrais faire? Voilà, donc là on a récupéré du salpêtre et des cailloux. Je pense que je vais devoir balancer un pot de fleurs, à mon avis. Certainement pour éloigner ce soldat. Ah ouais, mais il y en a un là-bas au bout. Je sais pas comment je vais faire pour l'attaquer, hein. Il va falloir que je l'amène là-bas, peut-être. Ouais. Ah, il l'a pas entendu. Le pot de fleurs qui sert à rien. D'accord. Ok, j'ai balancé un pot qui m'a servi à rien. Ah, bah, comment je vais faire, moi? Parce que lui, il a un casque. Bon, ah, tant pis, on va faire comme ça. Parce que l'autre soldat est très près de lui. Hein. C'est ça le problème. Ouais, bah ça sera un petit peu des lives à l'arrache aujourd'hui. Hein. Je dis, au niveau des. Je mets des changements d'horaire, donc. Ça sera un petit peu comme ça, d'horaire un petit peu inhabituel. Donc ce matin, j'ai pu me libérer avant, donc tout compte fait. J'ai des horaires un peu différents, donc. Tout compte fait, je me suis dit, allez, on va profiter de streamer jusque 13h, et puis après, on reprendra certainement vers 14h30, 15h, on va voir un peu. Histoire de me reposer un tout petit peu. Jusque 17h, 17h30 maximum, pas plus ça. Parce qu'après, je serai obligé de couper. Voilà. Bon. On va essayer de tenter le. Ce fameux. Truc. Mais non, mais prends la pierre. Prends la. Mais non! Ah, il est trop tard, je m'en doutais, il va donner l'alerte. Hein. Ah, mais c'est pas bon. C'est pas la meilleure des méthodes. Non, malheureusement, c'est pas bon. Je m'en doutais un petit peu, mais il va donner l'alerte au deuxième soldat qui se trouve dans le fond. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout. Coucou, Florence, j'espère que ça va en tout cas. Et bienvenue. Je vois pas comment je vais faire pour éliminer ce. Comment je pourrais faire? Peut-être passer de l'autre côté, mais le problème c'est que. On va essayer de faire ça avec le petit Hugo. Ah, peut-être passer par ici. Ouais, se planquer ici. Voilà, je vais me positionner là. Dépêche-toi de. Oh, il va me voir. Non, il m'a pas vu. Ça va, il m'a pas vu. Alors, est-ce que je suis vraiment obligé d'éliminer tous ces soldats? Je me pose la question. Je suis en train de me poser la question. Ah ouais, mais ils ont tous les deux des casques. Ah ouais, mais non, mais c'est mort là, les amis. Ah, c'est foutu.
J'ai pas assez de loot. Bon, on va essayer de s'occuper de lui. Ouais. On va essayer de s'en occuper. Toi, Hugo, tu restes là. Je reviens. Ça va, le live passe bien, Megan? Au niveau son, image, le micro, est-ce que c'est bon? Vite! Mais vite! Mais pourquoi je peux pas tirer? Oh, y a un bug! Bah, je peux pas tirer à la fronde! Bon, mais le jeu! Ah ouais, mais ça va pas, ça! Bah, j'ai pas pu... j'ai pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu tirer à la fronde! C'est quoi ce délire? Non, mais sérieux! Ah ouais, regardez, là je peux tirer, là je... Je comprends pas, il y a eu un bug. Là, il y a eu un bug. Bon, c'est pas grave. Allez, on va passer autrement. On a encore un soldat là-bas au bout. Comment je pourrais faire? Le problème, c'est que j'ai plus assez de... Le problème, c'est que j'ai plus assez de... De poudre. Du dé de Vorientis, j'en ai pas assez. Il m'en reste plus qu'un. Ils sont tous équipés de casques. Et je sais pas comment je vais faire. Attendez ici. Il est pas un bruit. Bon, Hugo, c'est bon. Il est pas avec moi. C'est good, d'accord. Son image aussi. Ok. Ah bah, c'est impeccable. Un gros souci, c'est ça. Mais ce Hugo, il est tout le temps dans mes jambes. Alors. On est d'accord, là j'ai pris le truc. Non, ça c'est la fronde. Bah je peux pas tirer. Mais c'est quoi de ce bug? Regardez, je peux pas utiliser la... Oh non, mais ça va pas. Je comprends pas, j'arrive pas à... Ah, attendez. C'est peut-être moi qui fais une erreur, bien. Dans le choix de mon inventaire. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Je suis peut-être resté sur le... Ah, mais je crois que je vais être un bon moment de le faire, cette mission-là. Et si je passe par là? Et si on change de méthode? Ah, il y en a encore deux là-bas. Oui. Ah, ça va être chaud. Hein. Ça va être compliqué à faire ce passage. Passer par là peut-être. Ils m'ont vu, non? Ah, il m'a vu. Il m'a vu, c'est mort. Peut-être passer par là, non? Je passerai bien direct, mais j'ai peur. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire du coup. J'aurais peut-être pu passer directement là-bas, mais est-ce qu'il m'aurait pas vu, ça j'en sais rien. Alors. Non. J'arrive pas à sélectionner là. Toi t'es mort. Ouh, j'ai eu du mal hein. Pour sélectionner cette roue, franchement j'ai eu du mal. Et lui, les deux gardiens là, on va pas s'en occuper je pense. On est peut-être pas obligé de tous les éliminer hein. Il est où? Ah ouais, lui il va me voir aussi. Il risque de me voir. Attendez. Comment je vais pouvoir faire ça? Ah, à mon avis, il va me voir. On va essayer, on va voir. Si ça passe pas, tant pis. Attendez.
Est-ce qu'il me voit? Non, ça va. Pour l'instant, il ne me voit pas. Là, on est bon. Voilà, on est bon, là. Nickel. On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Je pense qu'on n'est pas obligé de tous les éliminer, en fait. Hein. La R s'est fermée. Comment je vais faire pour débloquer cette herse avec des soldats en plus. Bisous à Pikachu. Excusez-moi. Pikachu. Allez, passez par ici. Voilà, on n'est pas obligé de tous les éliminer. De toute façon, j'aurais pas pu faire autrement de les contourner parce que bah, j'ai pas assez de... Là, ne restons pas là. J'ai pas assez de poudre. Voilà. Hop. On y va. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre ami. Voilà, ça, ce passage-là est fait. Je suis content. Déjà, j'ai fait ce passage-là. Allez, avance. C'est pas ce qui est le plus simple. Restez là. Pas un bruit. Ouais, j'ai encore du mal avec la gestion de l'inventaire. Écoutez, cette musique. Cette jolie musique. Franchement, ce jeu, c'est... C'est juste une tuerie. Alors, mais non, de l'autre côté, s'il te plaît. Je pense que je vais peut-être pouvoir les appeler après ici. Amicia, le dévorantiste. T'en restes ? Non. Bien. C'est bon. J'arrive. Il va me voir là, non ? Sauver Lucas. Ok. Toi, t'entends là. Je reviens, j'attends ton signal. Tire. Ah ouais, d'accord. En fait, je parle de Lucas tout à l'heure, mais il était prisonnier. C'est vrai. C'est Messi la fille, je pense, hein, c'est ça. Messi ou Messi, je sais plus. Je pensais que c'était Lucas qui me suivait, mais non. C'est pas lui. Faut le sauver, en fait. D'accord. Alors, Pikachu, c'est quoi? Attendez, j'ai un... Oh, ma tablette. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, d'accord, ok. C'est le surnom de... D'accord. Ok. Alors. Oh, j'arrive pas à cet inventaire. C'est bon. C'est bon, là, on va pouvoir... Pas que je me trompe, tout simplement. Voilà. Ah, non, c'est pas ça. Là, je suis sur quoi? Sur un caillou? Bah non, c'est pas ça. Ah, attendez. C'est pas mal. J'ai beaucoup de difficultés à enchaîner. Je sais pas si on peut appeler ça des combos, mais j'ai beaucoup de difficultés à enchaîner entre la fronde et cette petite poudre qui permet. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Ah. qui permet de forcer le soldat à retirer son casque. Ça va ? C'est difficile pour moi. Ça vous dit de faire ça en courant ? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer. Les poulardes. Vous en pensez quoi ? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez. L'aqueduc continue par là. Allez, chapitre 7. Ça n'a pas été rejoins l'aqueduc. Tu crois ? Rejoindre l'aqueduc. Oh, t'avais juste oublié. Voilà, le petit passage là est fait. Nickel. C'était le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi ? On va s'arranger. Ça ? Va dire ça à mon frère. Ok. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Un accident ? Il est sombre, il est... C'est un chariot de l'Inquisition. Ouais. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Oui. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. Ah. C'est un dérivé de l'unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. En fait, ce sont tous des genres de petites potions comme les magiciens, quoi. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Le Luminosa. Alors, crée une puissante source de lumière qui détruit les rats.
D'accord. Lance-le sur les rats. D'accord, ok. Alors. Ah, c'est pas mal ça. Ça pique les yeux. Ça va être super utile dans le jeu. Alors, on va quand même aller à l'intérieur. Ne bougez pas. On va quand même récupérer tout ce qu'il faut. On va peut-être pouvoir crafter d'ailleurs. Voilà, on va regarder à ça les amis. Voilà, donc alors ici, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Bah rien du tout. J'ai pas assez de cordes. Ah, mais c'est dommage. J'ai pas assez de matériaux pour l'instant, donc c'est un peu dommage. Non, on a pas assez de matériaux. D'accord, Megan. 16 chapitres. D'accord. Ah bah c'est déjà pas mal. On est là au chapitre 7. On a encore de quoi se faire plaisir. De toute façon, cet après-midi, je vais continuer à Plactel. Hein. Voilà. Days Gone, on va le mettre ça un petit peu de côté. On le reprendra certainement en cours de la semaine. Voilà. On en refera un petit peu dans la semaine quand même du Days Gone parce que j'ai pas envie de trop le mettre de côté. Non, je peux rien fabriquer en fait. C'est dommage. C'est un peu dommage. J'ai peut-être pas à récupérer assez d'objets de loot, on va dire. Ah, ici, on a de la corde. Bah, prends-le. Alors, pourquoi il me dit qu'il me manque de la ficelle là? Ah non, de la peau de cuir. Il me manque que... Ouais, d'accord. Ici, ça c'est quoi? Ok. Non, on peut rien crafter en fait. Bon, c'est pas grave. Ok. Ouais, non, non. Bah, on y va alors, du coup. Voilà. C'est quoi ça? Une salpêtre. Oh, que oui, qu'il me plaît bien ce jeu. Bah, comme Days Gone, ça me plaît également. Hein. Mais j'en ai fait tellement du Days Gone pendant 15 jours, là, à peu près, ça va faire 15 jours qu'il est sorti. Je dis, c'est bien de changer, varier un petit peu de registre. Voilà. Permet de vous faire voir autre chose. Lapiduc, on arrive. Lapiduc. On va enfin savoir. Ça m'a l'air bon vu d'ici. Je reviens vite. Restez là. Je t'attends. Non, non, suivre. La voie est libre. D'accord. Voilà. Allez, on y va. Je vais t'aider à monter. Puis c'est un jeu posé, en fait. Hein. C'est pas le genre de jeu où il faut tout le temps... Enfin, si, il faut bien regarder l'environnement, les alentours. Mais c'est le genre de jeu où tu te poses. Aqueduc. Sans prise de tête, quoi. Voilà, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Il faut juste bien jouer, bien comprendre comment te positionner. Pour éviter les soldats, enfin les ennemis surtout, et les rats. Il reste agréable à jouer, voilà. Oui. Où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Ok. On va devoir passer par cette échelle à mon avis. Ah, ici. Voilà, on récupère des pierres. Ah d'accord, j'ai compris. Alors, hop. Voilà. Wow. T'as l'œil. Ah bah c'est cool, Megan. C'est génial. C'est quoi, c'est t'as fait une cagnotte Tipeee Stream, c'est ça? Vas-y, monte. Oui. J'ai eu 5 euros dans l'une de mes créas, je n'oblige pas... Mais ouais, mais c'est normal. Ouais, on va dire toute création mérite salaire, quoi. On va dire, enfin salaire. On va dire récompense financière, on va dire. Même si ça, c'est qu'un loisir. Non, non. Enfin, non, un. Comment, plus malin que ça. Comment on peut. C'est une passion, voilà. C'est plus une passion. L'or. Mais c'est bien. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Ah, sur PayPal, d'accord. Comme ça. Moi, je préfère utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez,
C'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Alors, le chemin qui nous attend. Entrer dans l'aqueduc. Ah, il va falloir se baisser. Voilà. Oh, c'est par où il faut passer en fait. Soit par là ou par là, je sais pas. Peut-être par ici. Non, on peut pas, on peut pas. Je pensais qu'on allait pouvoir passer de l'autre côté. Ok. Après, tu peux, je pense que tu peux mettre également une petite cagnotte Tipeee Stream, il me semble, non? Enfin, après, c'est toi qui vois. Hein. Voilà. Oula, oula, dans quoi je m'en vais là? Qu'est-ce que sur quoi je vais retomber? Waouh, mais c'est juste. C'est juste très beau! C'est de toute beauté! C'est de toute beauté, voilà. Alors, attendez, je vais peut-être voir. Pour... Oh! Pourquoi j'ai plus de son? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi là? J'ai été au son de mixeur. De volume. J'ai baissé un peu le volume du Stream Deck, voilà. Mais franchement, c'est beau, c'est magnifique. Alors, on a récupéré Lucas. Oh là là. Wow. Wow, mais franchement, et comment c'est beau. Est-ce que c'est la mer? Non, juste une poche d'eau souterraine. Hé, il y a un ponton. Hé, GG, franchement, nos petits bordelais, c'est un studio de Bordeaux qui a créé ce jeu. J'avais jamais entendu parler de cet endroit. Et le château? Je pense qu'ils peuvent. Il va déjà falloir traverser. Ils peuvent être fiers de leur création. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que le studio du jeu m'avait retweeté. M'avait retweeté mon message. Comme quoi j'allais streamer. J'étais moi-même surpris. Mais le studio en lui-même a retweeté mon tweet. D'hier, et j'étais bien content. Allez. Bravo. Allez, c'est parti. C'est beau, hein. Franchement, c'est très beau, hein. Très joli. Alors, ce que je vais faire. Bon, Lucas. Restez là. Lucas, attends un petit peu. Je vais aller récupérer ce que je peux récupérer. Parce qu'il est tout le temps, dans mes jambes, lui. Voilà. Allez, c'est bon, nickel. On a récupéré du cuir. On va peut-être pouvoir améliorer. Oh, mais comment c'est magnifique. En fait, ce jeu me fait penser un petit peu à Hellblad. Ce jeu que j'aurais dû continuer, malheureusement. Que j'ai pas eu le... La chance de pouvoir le refaire, mais ce magnifique jeu qui est Hellblade d'ailleurs. Je tenterais bien de le restreamer, mais le problème c'est que... Il est sur Xbox. Je l'ai pas sur PC, il est sur Xbox. Et ma Xbox, étant donné qu'elle est dans le salon... Et vu que... Il faut que je démonte ma Xbox pour pouvoir le remettre dans ma pièce, voilà. Alors ici. Un coup de main? Ouais. Voilà. Ah d'accord. Ouais, incroyable. C'est un radeau en fait. C'est pas mal. Dommage qu'on ait pas de vin ni de fromage. Ça aurait été une très bonne idée, oui. Une petite barque. Ça tiendra pas tout seul. Traversez avec Hugo. On vous rejoindra. Tu es sûr? Ouais. D'accord. Il y a de la place que pour deux. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que ça fait? Mais non! Ok! Ok! Aide-moi avec ça, tu veux? Ouais. D'accord. Allez. Alors attendez, il faut que je comprenne pourquoi. Bah, je suis bloqué. Je fais quoi en fait après derrière? Bah non, il y a un problème. Il y a un petit souci là.
Attendez, 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 comment je vais pouvoir faire? À toi, Amélie. D'accord, en fait... Lucas, viens faire ta part au lieu de roupiller. C'était pas ma place, en fait. Ma place n'était pas de tourner cette roue. Elles doivent avoir froid, alors. Tu sais, il y a longtemps, père m'avait emmené au lac de Tours. J'ai pris la place de Lucas. Et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais. Allez. Allez, on y va, mon petit Hugo. C'est parti. Oui, vas-y, monte. J'espère voilà. Qu'ils savent nager. Ouais, ouais, non, mais j'ai pris la place de Lucas, en fait. Accrochez-vous. Il fallait pas que je prenne sa place. Ouah, mais franchement, ce jeu, il est magnifique. Je vois pas de poisson. Oh, ça, c'est à cause du monstre. Hein? Quelle belle découverte, hein. Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. Juste une tuerie, ce jeu. On verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. On s'y attache, hein, à ces deux personnages qui est Amicia et Hugo. On s'y attache, franchement, c'est... Allez, on débarque. C'est le... C'était trop court. C'est vrai. Mais chacun son tour. C'est le point fort de ce jeu, hein. C'est vrai, hein. C'est incroyable. Ce scénario, vraiment, est vraiment extraordinaire. Quelle histoire, en fait. Non, Amicia, j'ai peur. Je me laisse pas tout... Tout va bien, Hugo. Non, j'arrive. J'ai oublié de le suivre. J'ai oublié de lui dire de me suivre. Oh, le petit Hugo, facilement. Il est facilement dans la panique. C'est vrai qu'on s'y attache à ces deux personnages. Voilà. Ok, là on est bon. C'est bloqué, d'accord. Oh, c'est fermé. Faut le dire à Amélie. Il faut les faire traverser d'abord. Eh ben on va les faire traverser, y'a pas de soucis. Allez, ça sera à moi de, cette fois-ci... Reste ici. Compris. De leur envoyer le bateau. Y'a pas de monstre ici, mais y'a peut-être Puis c'est baleine. Bien, c'est... C'est gros, une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas. Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. D'accord. Ce qui est bien, c'est parce qu'on rencontre d'autres personnages... Comme Lucas, comme je sais plus le nom de la fille, je l'ai dit tout à l'heure, mais attends, je l'ai déjà zappé. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça qui est pas mal. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? À votre tour. Voilà. C'est ça qui est pas mal. Hein. Alors il faut que je lâche la roue, à mon avis, ça doit être ça. C'est bon. Vous pouvez lâcher. D'accord. Mais c'est vrai que cette Amicia me fait penser à Hellblade, hein. Le jeu Hellblade. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir et... Alors, ce passage dans la grotte me fait penser à un jeu. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Ah d'accord. Entendu. Faudrait que tu m'envoies... Quoi ? De trucs de grand. Allez. Faudrait que tu m'envoies le lien, pourquoi pas, hein, Megan. Mais bon, j'ai tellement de choses à finir. Je voudrais continuer The Division 2, il faudrait que je continue également, il va falloir que je continue également Days Gone, je suis loin de l'avoir fini. Voilà, et puis en plus je sais pas, je serais bien tenté de prendre Rage 2, un bon petit FPS là, à la mode Doom, et j'adore ce genre de jeu moi. Mélie, tu peux le faire ? Un bon petit FPS assez énergique. Ah, je me prendrai bien ce... Je pense que je vais le prendre certainement au mois de juin. C'est ouvert. On va voir un petit peu comment je vais avancer dans les jeux. Déjà, on va voir un peu. Je pense que Days Gone, à mon avis, je ne sais pas s'il sera fini au mois de juin. On verra bien. Voilà. Les petits champignons ici. Voilà, ici c'est le place. Bon. Ah, d'accord. Donc, il va falloir... C'est... Non, pas possible. Je dois forcer de plus près. Alors, on va...
Oh, ça lag un peu. Ça lag un tout petit peu, tiens. Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas, celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un piège à rat qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Bien, Mélie. Pendant que les âmes rêvent... Ouais, j'ai su, Mégane, ouais. Les gens se plaignent des bugs. C'était... peut-être des chevaliers. Je doute que des chevaliers manient la pierre et le mortier. Mais des artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Très juste. Et ça... ça me donne la chair de poule. Tu m'étonnes. Surtout, vu la taille des rats. Fermé. Mélie, tu peux l'ouvrir? Non. Pourquoi? Peut-être de l'autre côté. Elle pourra pas l'ouvrir. Alors, il va falloir actionner certainement ce bras ici. On va essayer, on va tenter quelque chose. Donc, à mon avis, on va devoir pousser les rats dans cette fosse. Si j'ai bien compris. Voilà. Ah, j'ai même su que les gens, il y a des personnes qui pouvaient même pas le streamer en fait. Allez, à la fosse. Je dois passer de l'autre côté. Bon allez, venez. Je lâche la roue là. Ouais, je lâche ça. C'est pas une roue en fait. Allez, on y va, on descend. Pas mal ce système là, de lampe. C'est quoi là-bas? Ah, je suis curieux, je vais aller voir moi. Attendez, ah bah non, on vient de là en fait. D'accord, je fais n'importe quoi. On vient de là-bas, donc il n'y a pas besoin d'aller voir. Allez, hop. Alors, il faut que j'aille voir un live sur Adjeu. Pas donner envie. Ah, moi, il me donne. Moi, franchement, il me tente. Hein. J'adore ce genre de jeu là, moi. À la mode de Wolfenstein, Doom, tout ça, j'adore. C'est hyper dynamique. Et c'est franchement, c'est ce jeu là, j'adore. Il y a longtemps que j'en ai pas fait des FPS comme ça. Ce style de jeu, j'en ai tellement un bug, j'en ai pas fait. Que ça me déplairait pas, franchement, ça me déplairait pas. Bon, on verra. De toute façon, je pense le prendre, mais peut-être pas dans l'immédiat, quoi. Voilà. Donc ici, non, c'est pas ça. Il faut que je balance. Ah bah attends. Ok, là on va peut-être balancer une petite flamme. Ouais. Tu crois qu'on peut faire tomber ça? Bien vu. Tomber quoi? Ah. Ouais. Ok. Allez. Bien. Je m'occupe de la porte. Ah ouais, effectivement, j'avais oublié notre petit Hugo et notre petit Lucas. Bande de feignants. J'avais complètement zappé ces deux-là. Oh, d'accord. Franchement, je pensais qu'ils étaient venus nous rejoindre, mais non. Ok. Mais déjà, on va déjà finir ça, Plectel, et puis après, on verra. Je pense que je le prendrai quand même, ce petit Rage 2. Allez. Donc, à mon avis, on va devoir retourner de l'autre côté, je pense. Et pousser le reste des rats dans cette fosse. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est une communauté particulière, Magana. C'est pas le jeu qui m'attire, ce genre de jeu-là, j'aime pas. Tu ne verras pas sur CSGO, c'est sûr. Y a pas à dire. C'est un jeu où tu fais plus de la compète, en fait. Hein. C'est plus un jeu compétitif. Hein. Voilà. Par où ils sont descendus en fait? Ah, par l'autre côté? Par cette échelle?
Ouais, je pense que c'est ça. Je passe devant. D'accord. Ah non, tu me verras pas dessus sur CSGO. J'aime pas, de toute façon, j'aime pas ce genre de jeu. C'est de la compétition, moi je suis pas un compétiteur. Hein. Bon, c'est de la détente du loisir, mode tranquillou. Voilà. Encore une porte? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Alors, de rat derrière? Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Allez, on va pousser cette porte. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là, le château. Waouh. Il existe vraiment. Oh, ça craint. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai oh, mais cette musique. Mais ça c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Mais quel travail qui a été fait sur ce jeu, c'est incroyable. Regardez comment c'est c'est magnifique. C'est beau à découvrir, mais bon, c'est très sombre, très glauque. Alors, on va regarder s'il n'y a pas un petit peu de loot à récupérer. On a une maison là pour voir. Mélie, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Voilà, j'ai bien fait de venir ici. On va peut-être pouvoir crafter, on va voir un peu. C'est fait. On aura peut-être un petit établi, non? Oh, alors, c'est quoi ça? Est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle? Oh, le ça sent pas très bon. Le un vinaigre. Bon remède, c'est un remède qui pue. C'est... Non, c'est pas ça. Je me trompe de touche. Bah oui. Un bon remède, c'est un remède qui pue. D'accord. À quoi ça correspond en fait? Alors ici ça c'est quoi? Du salpêtre. Ok. Le titre du jeu a bien été pris en compte, Megan. Dis-moi si c'est bon parce que du coup j'ai un doute. Attendez, je vais regarder. Non, c'est pas la bonne souris. Non, c'est pas bon. Ok. Ouais, c'est pas... Là, on vient de là, à mon avis, hein, c'est ça. Hein. Attendez. Ouais, on vient d'ici. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, ici, comment on va... Des rats. Je vois pas... Je vois pas comment... Wouah. Wouah, avec l'éclair. Ils ont peur des éclairs. Essayons. Vous rigolez? D'accord. Donc, il va falloir passer au moment... au moment qu'il y a un éclair, en fait. Dépêche-toi. C'est de la folie. Eh oui, c'est de la folie. Oh, cette musique m'angoisse. Incroyable. Des gens vivaient ici. On est encore un effort, Hugo. C'est loin. Trop loin pour passer en une seule fois. Alors. Là-bas, il y a possibilité d'allumer un... Voilà. Alors, prochain pacte, prochain éclair, on passe. On ira. Oui, c'est bon, d'accord. Oh, tous les rangs. C'est incroyable. Allez. Allez. Ah, voilà. Hop. Ah. Ah, mais non. Ah, j'avais pas pensé à ça. Oh là, ça va être compliqué. Il va falloir faire vite. Il va falloir faire très 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 vite.
Ah, j'ai oublié que le truc s'était éteint. Bah comment je vais faire? Oula, il y a trop de choses à gérer, ça va être compliqué pour moi. C'est loin, trop loin pour passer en une seule fois. Ah non, mais en une seule fois. Est-ce que je peux le tirer là-bas? D'accord. Vite, 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 vite. Allez, allez. Non, 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 j'aurais pas dû. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. Oh, je panique. Mais comment je panique comme un fou? Ouais, il y a trop de choses à utiliser, le Luminosa. Ouais. Ouais, essayez, on va essayer. Trop loin pour passer en une seule fois. Le Luminosa, d'accord. Bon, déjà, on va faire ça. Je devrais aider. Allez, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, on aurait pu passer. Non, bah non, c'est pas bon. Alors, attends. Vite, 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 vite. Ouh. Je vais t'aider. Oh, que c'est chaud. Allez, on va y arriver. Merde, tout le monde va bien. Waouh, 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 c'était chaud. On a vraiment fait. On a réussi. On y est. Oh, la pression que ça m'a mise, hein, ce passage. Je savais pas, je savais pas quoi utiliser exactement. Waouh. C'est vrai que l'inventaire est pas des plus simples. Hein. Entrons vite. Venez. Enfin, moi j'ai du mal, c'est pour la roue quoi. Pour, vous voyez, pour le stick, pour tourner ce stick. Ça c'est compliqué. Voilà, c'est bon, je suis passé. Nickel. Impeccable. Oh, mais quelle tuerie ce jeu. Ok. Voilà. Attendez, je vais regarder quelque chose. Alors, est-ce qu'on est bon? Ah. Il me dit que mon débit est instable. Ah bon. Hop. Alors ici c'est pas ça. Ouais, je vais dans mon tableau de bord, il me dit que le débit est instable. Bon, d'accord. Bon, pas. D'accord. D'accord. Ok. Je pige pas. Je sais pas pourquoi il me met ça. Bon, c'est pas grave. Ah bah c'est génial, c'est une bonne chose ça. C'est génial, c'est génial. Incroyable. Le permis c'est important, hein, c'est vrai. Hein. C'est très important, c'est vrai. Ouais, je sais pas quel âge il a, Gus DX. Mais ça va bien l'aider, hein, je pense. Pour la vie au quotidien, on va dire. Voilà. Alors malheureusement moi j'ai le permis depuis longtemps et je peux plus l'utiliser donc ça a été un coup dur pour moi aussi hein, le fait de plus pouvoir conduire. Moi qui adorais conduire Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, c'est la vie. Alors, je peux passer.
Où je vais passer? Ah. Tu peux t'en charger? Voilà. D'accord. 46. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh, il y avait quelque chose de... C'est même étonnant qu'il n'ait pas, pas eu l'opportunité de le passer avant, quoi. Mais bon, la preuve en est, à 46 ans, tu peux encore avoir ton permis, tu peux le passer. Je pense que c'est quand même... Pour moi, c'est beaucoup plus difficile à l'avoir à cet âge-là. C'est ce que je pense, hein. Parce qu'on n'a pas... On retient plus de la même façon, de toute façon. Hein. On a plus de mémoire de jeune. Et pour moi, c'est plus complexe à le passer à cet âge-là. Mais c'est bien, tant mieux. S'il l'a eu, franchement, tant mieux. Ça va énormément l'aider. Bah, qu'est-ce qu'ils font, là, on peut pas passer. Donc, je crois qu'il va falloir tout simplement dépasser cette torche. Voilà. Allez, le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, les voilà. Et à l'heure actuelle, t'as pas le permis, malheureusement. Dans la vie de tous les jours, tu fais pas grand chose, quoi. À moins d'habiter dans une grande ville, comme l'ami Asgard. Hein. Asgard, lui, il a... Les rats, c'est ton rayon. J'ai compris. Asgard, il a tout à portée de main, hein. Il a pas besoin de véhicule ou quoi que ce soit. Il habite dans une grande ville, il a les transports en commun, le tram, le tramway, etc. Voilà. Mais bon, ça reste quand même un petit peu enfin, ça dépend, mais c'est quand même bien utile de l'avoir, ce permis. Est-ce que là, on peut récupérer un peu de... Non, pas faire grand-chose avec ça. Ici, comment je vais faire? Ah, ici peut-être. On va allumer là-bas. Voilà. On va prendre une petite torche. On va allumer ça. Est-ce qu'on va pouvoir... Voilà, d'accord. Je viens de comprendre. Il va falloir aller là-bas. Ne bouge pas. Je reviens. À ton signal. Ah, attendez. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec... Ah, j'ai plus le chat. Mais pourquoi il m'a tout coupé, lui? Attendez. J'ai un souci avec la tablette. Il m'a coupé mon chat. Ah bon? Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai pas compris là. Tu peux venir après toi. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Après, il faut que ça bug quand même. Hein. Y a pas. Hein. Alors attendez, là on est bon. Donc j'ai oublié. Je pourrais pas reprendre tous vos messages. Ah ouais, d'accord, ok, voilà, je vais regarder sur le deuxième PC. Il roulait en voiture sans permis, ouais, tu vois, il en avait vraiment besoin, hein. Voilà. Moi, j'en ai pas besoin non plus. Si, tu peux encore en avoir besoin, si t'es dans l'obligation, je sais pas, moi, d'aller, je sais pas, enfin, après, je te souhaite pas, mais si t'es obligé de faire des examens ou aller dans un lieu bien, bien particulier en dehors de ta ville... Le permis, t'en as tout le temps besoin. Voilà, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Mais toi, c'est vrai que toi, Megan, t'as tout à portée de main également. Donc forcément, c'est vrai que pour toi, le permis n'est pas d'une grande utilité. Voilà. En plus, tu bosses chez toi, donc y a pas besoin de véhicule, quoi. Parfait, je me sens déjà mieux. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Ils ont suivi ou pas? Ah non, ils ont pas suivi. On peut pas le pousser, ce truc. Comment ça marche? Alors attendez, il va peut-être falloir faire quelque chose. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Ah ouais, mais on fait comment pour les faire passer aussi? Ah bah ils vont prendre une torche certainement. Reste ici, je fais vite, j'attends. Bah pourquoi ils prennent pas une torche en fait?
Ah, il devrait prendre une torche. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ok. Référence, ça. Oh, on n'est pas nombreux, hein. Pas très nombreux, mais c'est comme ça que tout. C'est pas grave, hein. Moi, je continue à avancer dans le jeu. Je me fais plaisir. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est décevant, hein, par rapport au nombre de participants, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Mais pourquoi ils peuvent pas... C'est bon, tu peux venir, j'arrive. Bah, pourquoi elle ne prend pas une... Pourquoi elle prend pas une torche? Je comprends pas. Allez, venez. Attends-moi là, d'accord, viens, c'est bon. Mais pourquoi ils viennent pas? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah d'accord. Ouais d'accord, j'ai compris. Je viens de comprendre les amis. Le brasier revient tout seul. Alors ici... J'ai... Ah alors attendez. Qu'est-ce qui... Non mais descends pas. Non, 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 descends pas. Ouais, mais c'est... Franchement, il y a des moments, je me demande pourquoi je stream. Hein. Je me pose beaucoup de questions de savoir pourquoi je stream. Il y a le plaisir qui est derrière, c'est sûr. Ce plaisir, je le partage, c'est sûr. Mais... Avec un peu plus de monde, ça serait quand même mieux. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous, c'est comme ça. Bah, j'ai pas commencé à me poser des questions, sinon j'en... On n'en finit pas. D'accord. Non, 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 pourquoi t'as lâché? Mais non. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Pourtant, c'est pas faute de mettre les moyens pour pouvoir attirer les gens. Il y a une boutique, il y a une monnaie silver. Même si les lots, bien sûr, je comprends que les lots sont plus aussi intéressants qu'avant. Voilà. Voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, je mettrai la boutique évoluera par rapport à la chaîne. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ça évoluera, il y aura un peu plus de monde, un plus de participants, ben on fera évoluer cette boutique, sinon ben la boutique restera comme ça. Voilà. Pour l'instant, je ne rajouterai pas de lot, on restera sur l'abonnement, on restera sur le pack... La vie souris, je mettrai peut-être un ou deux bons de 10€ à Stan Gaming à récupérer peut-être, pourquoi pas, mais on verra, j'en mettrai pas plus. Je pense qu'il n'y a pas énormément de chaînes qui le font, ce principe-là. Et puis, faut savoir quand même que ça coûte un certain budget. Hein. Là, j'en ai eu à peu près pour 70€ de bons d'achat. Je pense que c'est bien, on n'est pas une grande chaîne, tout simplement une petite chaîne pour moi, voilà. Je pense que c'est déjà bien. Et j'en ferai pas plus, voilà. Alors moi, je me pose tout le temps des questions. Au sujet de quoi, Florence et Mégane? Par rapport à quoi? Par rapport à la chaîne? Par rapport à... Après, c'est vrai que... J'ai déjà dit, on peut pas tout le temps se poser des questions et puis... tout le temps se remettre en question au sujet de certaines choses. Sinon, on s'en sort pas, on n'en finit pas. Bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se pose alors, des... On se pose des petites interrogations, on se dit tiens, pourquoi si, pourquoi là, pourquoi la raison. Ah oui, il faut l'embraser, d'accord. Pourquoi il y a des anciens que je ne vois plus, il y en a qui venaient, il y en a que je ne vois plus du tout, du jour au lendemain je ne les vois plus. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a fait pour plus les voir? Parce qu'il n'y a plus énormément d'anciens viewers qui passent.
ou qui reste. Voilà, c'est surtout ça, c'est ça que je me pose la question. Je me pose beaucoup, beaucoup de... beaucoup de choses, mais il faudrait que je me calme à ce sujet. Alors moi je prends principe déjà, j'essaye déjà avant tout de pas mélanger, je sais pas si c'est par rapport à ce que tu veux dire Florence. Je suis d'accord avec toi que la vie qu'on mène est très dure. Je suis entièrement d'accord. Mais j'essaie surtout, c'est pas de mélanger la vie privée avec Twitch. Sinon, ça marchera pas. Ça peut pas fonctionner. Obligatoirement, si... moi, j'ai des galères. Tous les jours, je galère. Par rapport à ma maladie et tout ce que je subis tous les jours. Mais j'essaie surtout, c'est de... de pas le faire ressortir sur mes lives. Sinon, les gens vont le... ils vont s'en rendre compte et... mais ils viendront pas, quoi. Voilà. Le but de la chaîne, c'est pas de tout le temps se... Comment je pourrais expliquer ça? Voilà, je pense qu'il faut pas mélanger ça. On me pose des questions par rapport à ma pathologie, je réponds. Mais je prolonge pas le sujet, quoi. Et j'en parle pratiquement jamais... dans mes lives. Vous me demandez si ça vient, ça va, moi je dis ça va. Même si c'est pas tout le temps vrai. Même si j'ai pas la forme, même si les douleurs sont là, si. Mais c'est pas à vous à subir ça au quotidien sur mes lives. Voilà, donc j'essaie de pas trop mélanger ce principe là pour le bien de la chaîne. Voilà. C'est surtout ça. Et pourtant, je pourrais me plaindre tous les jours, c'est sûr et certain. Parce que la vie que je mène, franchement, c'est pas la vie que j'aurais espéré. Hein. Vous savez, quand vous commencez déjà à avoir une pathologie puis qui vous fait souffrir tous les jours, il faut déjà se lever le matin et se dire « bah, allez, on y va, hein. On se bouge, on va pas s'apitoyer sur son sort et puis voilà quoi. » Sinon... on n'avance à rien. Tout simplement, on n'avance à rien. Et voilà quoi. C'est surtout ça. Bon, là, je sais pas ce qu'on peut faire. Je vois pas du tout. De toute façon, j'ai vu des changements sur la chaîne. Il y a eu des choses qui ont changé. Hein. Faut pas se cacher. Mais c'est comme ça, c'est Twitch. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des coups de gueule, il y aura des surprises, des moments où tout se passera bien. Il y a des moments où bah, ça sera une remise en question. Voilà. Bon, je fais comment en fait, les amis là? J'ai pas rien compris. Comment je vais faire en fait? Mais bon, même dans la galère, même dans la souffrance, parce que comme je dis tous les jours, c'est pas la forme pour moi. Je continuerai Twitch vraiment, vraiment. Je vais le continuer et parce que j'en ai besoin. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je passe ailleurs. Je sais pas. Attendez. On va essayer le coup. On va essayer de comprendre. Ah, attendez, il est l'heure des... c'est l'heure de ma dose. J'arrive les amis, à tout de suite.
Allez, re tout le monde. Voilà. Bon, on va essayer de comprendre un peu comment ça va fonctionner ce truc. Ça, c'était quoi déjà? Pourquoi je suis en mode accroupi, moi? Il n'y a pas besoin de se baisser. Je regarde, j'essaie d'observer un peu comment je pourrais faire si ce pont... Est-ce qu'il est maintenu par une chaîne? Non, il va falloir passer de l'autre côté. Ici, on a quoi? Ouais, j'ai du mal à comprendre, en fait. Ouais. Parce que c'est bien de tourner ce petit flambeau, là. Et après, tu le fais quoi, en fait? Des bisous. Ouais, mais je trouve que, pour moi, mon avis hein, personnel, Megan, je trouve que par rapport à ton caractère, tu devrais prendre plus ça à la légère. Tu prends trop les choses à cœur et ça, c'est pas bon du tout. Je sais que de temps en temps, ça m'arrive de péter un coup. Comment dire, comment expliquer ça? Alors, attendez, ici, j'ai plus rien. Tu prends trop les choses à cœur, c'est pas bon et il faut savoir, comme j'ai déjà dit, savoir mettre de l'eau dans son vin, ou je sais plus l'expression exacte, mais faut pas oublier que c'est qu'un loisir, hein, voilà. Et là par rapport à ce que j'ai déjà pu te dire, c'est vrai qu'il y a des moments peut-être je devrais peut-être pas, mais moi c'est du direct, hein. Il y a pas de, je tourne pas autour du pot. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis tout simplement, même si ça peut de temps en temps blesser. Et encore, il y a des choses que j'ai vues que je pourrais également le dire et vous faire comprendre, mais je préfère pas. Je ne préfère pas parce que je pense que ça risque de blesser. Voilà. Alors là, c'est pareil, je mets de l'eau dans mon vin et puis je laisse couler. Je laisse couler tout simplement. Mais il y a certaines choses que j'ai pu remarquer que... Voilà. Comment on fait? Voilà. C'est pas de prise de tête. Loisir, détente. Alors c'est vrai qu'à des moments, je suis peut-être pas tout le temps agréable par rapport à certains messages que j'ai pu t'envoyer. Mais voilà, c'est... Il y a des moments où il faut prendre certaines décisions, il faut prendre certaines réactions. Il y a des choses peut-être que je devrais réagir, que je ne fais pas pour le bien de la chaîne. Et puis, bah voilà quoi. C'est surtout ça. J'essaie de faire du mieux possible, même si des moments, on va dire que j'ai l'impression que si je prends des décisions, que je fasse bleu, vert ou rouge, c'est peut-être pas pour ça que ça va mieux. Ou que ça va s'arranger. Bon, bah, je comprends pas. Je comprends pas du tout. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Comment on fait? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'en sais rien. Ah mais comment tu fais en fait? Peut-être pouvoir descendre là, peut-être, je sais c'est pas. C'est la vie que je mets entre tes mains là, hein. Ouais, la routine quoi. Ah, il faut peut-être descendre. D'accord, j'ai compris. Il faut descendre et demander à... Comment elle s'appelle cette petite dame? Tu peux le faire? Ouais. Ouais, voilà. Ça sera à moi de courir. Tu préfères être en bas peut-être? Voilà. Je me chauffe. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Voilà. Nickel. On va donc, y arriver. Qui Hugo on va pouvoir faire on comment? Je passe par où du coup là? Ah ici. Non, on peut monter là? Non. On peut pas monter là? Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit?
Et attendez. Arrête. Alors, du coup, cette roue repart de l'autre côté, ouais. Monte, monte, monte. Mais monte. Mais monte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué. Ah, d'accord, du coup, il passe là, là, ok. Ah bah, bon, c'est pareil, hein, je grogne sous le coup, hein, mais je suis pas quelqu'un de... Je reste souple, je suis prêt à entendre tout ce qu'il doit, je peux attendre. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Pourquoi Mélie est morte? Oh, j'ai pas compris, là. Bah, c'est pareil, hein, j'ai des petits coups de gueule, mais enfin, des petits coups de gueule. Je vous dis, il y a des moments, si je voudrais, je pourrais péter les plombs et puis dire certaines choses qui pourraient vexer. Mais je le fais pas parce que c'est comme ça, c'est pour le bien de la chaîne et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, c'est ça, elle grogne mais elle ne mord pas. Faut être plus souple, beaucoup plus souple là. Bon, alors ici. En fait, mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que c'est ce délire? Ils sont passés où? Ah, d'accord. Faut passer ici maintenant. Oh ouais, d'accord. Bon, ceux-là aussi doivent finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a. On est obligé de tout refaire. J'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai pas compris ce qui s'était passé du tout. Ah ouais, d'accord. Ah, on est obligé de refaire ça? Bon, t'es sérieux, le jeu? Bon, d'accord. Oh, mais non, mais c'est... Je pense qu'à mon avis... Bah non, c'est... Ah non, mais attendez. Je me trompe. C'est pas à moi de le faire, ça. C'est pas à moi le faire, voilà. Tu m'as dit que je mets entre tes mains là, hein? Ouais, la routine quoi. Dis-moi quand t'es prête. Voilà. Bah vas-y, c'est bon. Balance, voilà. Hop. J'ai besoin que tu le fasses, ça marche. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas peut-être? Ça va, c'est juste que je me chauffe. Alors. Je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben vas-y. Le rempart. Ah d'accord, faut remonter sur le rempart. On sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Ah oui, effectivement. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai mal tiré. J'ai pas... Voilà. Ouais, j'ai très mal tiré. C'est quoi ce délire? Pourquoi il prend pas feu? Ah, il est temps! Il est temps, d'accord. Donc ici, après, on fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir là-bas. Là, on est bon, d'accord. Bah, c'est par ici également. Je vais certainement devoir débloquer le pont, peut-être, pour faire le passage pour Hugo et je sais plus. Je sais plus. Voilà. Mélie, voilà. Ah, mais j'ai bien du mal à retenir son prénom. Donc là, on est bon, là? Ouais. Allez. Tout sert à la fosse, ça. Voilà. Alors, ici.
Est-ce que Mélie peut descendre? Non. Mélie ne pourra pas descendre, donc je fais quoi exactement? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour l'instant, elle ne peut pas descendre. J'ai pas très bien compris là. Parce que là, elle peut pas descendre du tout. Je comprends pas là. C'est quoi ça là-bas? Allez! Ah non, mais franchement, je comprends pas du tout. Alors, au niveau des flammes, on est positionné comment? Là, on est bon. Mélie ne pourra pas descendre parce que. Ah, attendez, j'ai peut-être. Ah oui, il faut peut-être redescendre, passer de l'autre côté. Ouais, voilà. Je pense que j'ai autre chose à actionner. Oui. Ouais, mais faut pas trop mettre en question, Megan. C'est tout le temps pareil. Moi, c'est pareil. Moi, je remets en question. Puis après, il y a un moment. Après, je le laisse tomber, quoi. Voilà. Faut rester dans le positif et pas dans le négatif, quoi. Là. L'envie d'écrire, l'envie de faire sur ton blog, ça reviendra. Il y a tout le temps des petits passages à vide. Et puis. C'est ça, faut arrêter de se poser des questions. Voilà, moi de temps en temps ça m'arrive, mais ça va pas beaucoup plus loin. Voilà. Sinon, on n'en finit pas, on s'en sort pas, quoi. Voilà. C'est qu'un loisir, attention. Hein. Qu'un loisir, c'est pas. C'est pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un enjeu. Un enjeu, comment dire. Qui pourrait vous changer la vie, quoi. C'est surtout ça. C'est sûr que tu es content quand ça évolue. Ça fait plaisir quand tu. Quand ton blog arrive à atteindre un certain nombre de vues. Moi, c'est pareil que la chaîne. La chaîne a évolué très doucement. Pas comme j'aurais voulu, malheureusement. C'est comme ça. Et puis quand on voit que ça s'agrandit un petit peu au fur et à mesure et puis que on peut éventuellement faire d'autres choses avec des personnes qui te donnent un coup de boost hein, un petit peu comme l'ami Asgard hein, Asgard m'a permis de booster un peu cette chaîne. Parce que je suis pas persuadé que ça aurait grandi un peu comme ça. Je pense pas. Donc c'est sûr qu'on est content un petit peu que ça évolue, mais il faut être patient quoi. Comment je vais faire moi? Je pense que j'ai compris. Alors attendez. Si je remets ça là-bas. Voilà. Et je remets ça là-bas. C'est peut-être lui qui m'a la main. Voilà. Bon, et eh ben c'est reparti. Vous vous en sortez? Oui. Comment ça va? De toute façon, quand vous. Je ne sais pas si. Si vous avez. Imaginez le temps que je passe sur Twitch. Je stream tous les jours. Facilement 3 heures par jour. On va pas dire que c'est très concluant pour l'évolution de la chaîne. C'est pas folichon quoi, c'est pas. C'est pas extraordinaire, hein. Faut pas se cacher. Hein. Faut pas se cacher. C'est là du coup, alors comment ça va pour être passé par le pont? Je pense qu'à mon avis, il va falloir que je monte ici. Est-ce que je dois monter là ou pas? Même pas? Je peux pas monter sur cette caisse? Ah, je comprends pas du tout là. Parce qu'il y a un truc à actionner là. Ah, mais non, mais je comprends rien.
Qu'est-ce que c'est de ce truc? Je comprends pas. Non, bah là, franchement, là, je pige pas. Lâcher. Qu'est-ce qu'elle va lâcher, en fait? J'ai pas... Ah. J'ai pas compris, là. Si je fais lâcher, elle fait quoi? Et hop, à la fosse, ces cancres-là. Oui. D'accord. Donc... Ça, c'est fait. Le dernier secteur, maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Je dois retourner l'échelle. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y, grimpe. Reviens. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas bon. Mais il y a un bug dans le jeu là. Elle va mourir. Bah oui, bien sûr, elle va mourir. Bah oui, forcément. Mais non, mais c'est mort. Ah, alors attendez. Il y a un truc qui va pas là, les amis. Elle me dit de grimper, ah, mais alors attendez. Elle est passée où? Bah non, c'est pas ça. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Non. Non, 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 non. Faut faire. À mon avis, il va falloir faire tomber ce pont là-bas. Juste en face. Ouais. Hop. Hop. Ah, enfin! Ah ouais, il y a eu un bug là. Effectivement, il y a eu un bug dans le jeu là. Je comprends. Monte, je vais t'aider. Ouais. Ah ouais, il y a eu un petit bug là, un petit bug dans le jeu. Le pont, on ferait mieux de le baisser. Ouais. C'est quoi ça? Ah d'accord, aussi. Ok, ok. Non, alors attendez. Faut baisser le pont avant. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la... Voilà, faut baisser le pont et après faire tourner la roue. Hola. Du moins, je crois, je sais pas. T'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. Allez. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord. Le brasier du rempart. Attendez, je regarde un peu comment on va pouvoir faire. Ah, ici peut-être. Voilà. On va préparer le terrain un petit peu avant. On va allumer les torches. Donc, je vais demander certainement... Pourquoi elle tourne pas ces trous? Bon. Alors, attends, on va regarder ça. Ah, mais lui, il va où, lui? Je suis perdu. Vous voyez. Bah,
Bah, je peux descendre peut-être ici, y a pas de rat. D'accord, Megan, il n'y a pas de souci. Bon appétit. Merci d'avoir participé au live. À tout à l'heure. Si tout va bien, je serai en live avec des horaires un peu inhabituels. De toute façon, je serai obligé, dans l'obligation de. Je vais distribuer jusqu'à maximum 5h30. 17h30, pas plus. J'irai pas plus loin. Oula. Parce qu'après, je m'en vais. C'est quoi, ça? Après, je suis obligé de partir. Oh, Dieu, le vieil qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. Voilà. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine. On pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Je sais pas, mais ici à l'Amazon. J'ai pas bien compris, mais bon. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Ici. Pas très bien compris. Donc, il va falloir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, attendez. Ah, ouais, là-haut, d'accord, ok. Bon, on va l'allumer là. Hein. On va aller jusqu'à l'échelle. Bon appétit, Megan, hein, tout à l'heure. Amicia, arrête de rêver. J'ai besoin que tu me renvoies le brasier. Oui, oui, je m'en occupe. Ouais, mais deux minutes. Je vais essayer de survivre déjà. J'ai besoin que tu me renvoies le brasier. Comment ça? Quel brasier? Quel brasier? Elle est où Ah, ici peut-être. Ouais. Voilà. Ah, mais non! Comment ça, avoir besoin de moi? C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. D'accord. Donc là, on a nettoyé le secteur. Donc il va falloir que je redescende. Ouais. C'est un casse-tête ce truc, c'est un casse-tête chinois ça. Ouh, c'est qu'est-ce qui se passe là? Ah là, au niveau des rats, on est tranquille. On en a plus, hein, les amis. On en a plus du tout. Donc ça, c'est bon, ici. Tout est parti dans la fosse. Ouais. Là, on est bon. Bah, certainement, je remonte dessus. Non, même pas. Comment je vais faire ça? Bah Alicia, elle pourrait venir hein, m'accompagner là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle lâche pas la roue? Pourquoi tu lâches pas cette roue? Je comprends pas là. Non, je comprends pas. Pas compris. Je suis un peu perdu. Là, par contre, je pense qu'il y a un bug. Elle veut pas lâcher cette manivelle. Pour quelle raison? Ouais. Alors, attendez. Quoi, ça? Non, c'est pas ça. Ouah, le casse-tête. Hein. Je suis pas bon dans les casse-têtes, moi.
sympa. Ici peut-être. Bah non, c'est pas le bon ça. C'est délire, hein. C'est quoi ce délire? Mais lâche la roue, s'il te plaît. Bon, non, mais ça va même pas. Regardez, je peux même pas lui donner d'ordre. Elle accroche à cette roue. Ouah, mais c'est quoi ce problème là? Ouah, non, il y a encore de nouveau un bug. Ok, bah c'est génial. Non, mais non, c'est pas la bonne roue ça. Bon, bah franchement, là, je vois pas. Je suis à court d'idées là. Bah non, en fait, elle lâche pas cette roue. Hein. Elle le lâche pas. Ouais, bon. T'as pas un petit souci quelque part là? Ça, c'est la fosse, ça. C'est la fosse avec tous les rats, d'accord. Ouais, non, mais là, il y a un gros problème là. Ouais. Quoi ça? Je comprends rien du tout. Moi, pas comprendre. Mais pourquoi elle est accrochée à cette roue Peut-être repousser ça, peut-être. Ouais, je sais pas. Je n'en sais rien. Tout le secteur est nettoyé, hein. Le secteur au niveau des rats est nettoyé. C'est le reste que je comprends pas pourquoi le Mesli ne vient pas me rejoindre. Allez, je vais encore perdre une demi-heure là-dessus. Rien du tout. Hop. Peut-être les trucs comme ça au bout, hein. Je sais pas. On sait rien. Mais non. Ça sert à rien du tout ce truc. Bon, bah c'est pas gagné. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, peut-être ça, peut-être cette roue-là. On va regarder. Voilà, attendez. On va tester autre chose. Mais non, mais monte. Mais non! Voilà. Voilà. Voilà, bah je pense que c'est ça en fait. Allez, faut laisser le reste pousser tous les rats dans la fosse. C'est sur ces nobles paroles qu'elle voilà. À récupérer ce qui leur revenait de droit. Un vrai foyer. Je pense que c'est ça. Allez, j'ai trouvé. Il y a une cave pour toi ici, Amicia. C'est pas si simple. Tu me connais pas. D'accord. J'ai compris. Je pense qu'on va être bon là, non? Ça, tous les rats vont partir dans la fosse, ça. J'espère. Alors, ici, ils sont gros. Maintenant, lâchez les dragons. Voilà. Allez, reculez, saloperie. Je pense qu'on va être... Là, voilà, c'est bon. Et
Yes. Quoi? Melly la furie? Je t'avais dit que tu me connaissais pas. C'est bon les amis. Cette fosse est remplie de rats. Yes. Ah, c'était pas évident à comprendre ce coup. On a réussi. On les a repoussés. Merci Florence. Le château nous a sauvés. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour. Mais quelle histoire, franchement, c'est... Ah, je kiffe ce jeu, moi. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous, maintenant. Je kiffe ce jeu. Et ben voilà. Chapitre 8. On est sur le chapitre 8. Tu faisais un cauchemar. Tu... T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Allez, allez! Mais c'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir! Allez, ça me réveillera. Bon! Enfin, peut-être. Par là! Dès quelle heure? 12h33. Bah, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour ce matin. Je vais pas redémarrer ce chapitre sans l'avoir fini. Donc, je préfère couper un petit peu avant. Faire ce que je dois faire. Et puis, on se retrouvera certainement tout à l'heure. Je pense que vers 14h30, 15h, jusque 17h, 17h30. Je sais plus à quelle heure je dois partir en plus. Ça va, je sais que c'est... Oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Je dois au moins, stopper aux alentours des 17h, 17h30, voilà. Voilà les amis, merci de votre passage, bien qu'on n'ait pas été nombreux. Mais bon, je m'en doutais un tout petit peu le matin comme ça. Merci encore de votre présence. Il va falloir qu'on rapiace ces paillasses. On va avoir du mal à arrêter ce jeu, c'est dingue. Hein. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite bon appétit. Je vous envoie plein de bisous. Et on se dit à tout à l'heure. Bisous, bisous. À bientôt. Ah, XSplit est planté. Bon, allez, bisous. Et du mal à passer sur l'écran de fin. Merci de votre participation à bateau.